Je suis Nicole Genovese, l'auteur de la pièce Hélas. Hélas, il s'agit d'une famille euh, qui dîne ensemble tous les soirs. Euh, et donc ça se caractérise par une scène très simple où, qui se répète à l'infini et qui va être euh, enrayée par des événements parallèles. Sa source principale, c'est une série, Plus Belle la Vie, qui est diffusée par France 3. J'ai observé que c'était une série qui avait quand même de grosses vertus de traitement de sujets assez sensibles de notre société, en tout cas française. Et puis je me suis vraiment plongée presque comme un anthropologue ou un sociologue dans cette série. J'ai regardé vraiment quasiment tout. C'est quand même des grands scénaristes qui travaillent derrière. C'est des pôles de 17 scénaristes qui sont des gens qui travaillent beaucoup pour le cinéma indépendant, qui sont des sortants de la fémis. Enfin, c'est assez intéressant de voir qui est derrière les manettes de Plus Belle la Vie. Donc c'est quand même plutôt bien fait. C'est bien sûr un divertissement avec des intrigues policières, des meurtres, tout ça, tout, toutes les petites recettes. Mais à l'intérieur, il y a toujours une intrigue centrale qui est, enfin, est d'ordre social, en fait, avec un sujet de société sensible. Euh, ils ont été vraiment, comment dire, pionniers sur des grands sujets. Euh, comme l'homosexualité, l'homoparentalité, le mariage gay. Et c'est vrai que c'est un, un peu ça qui a irrigué, hélas. Mais après, c'est pas une pièce qui parle de plus belle la vie. Enfin, c'est plutôt instillé assez assez subtilement dans le propos. Ça parle de la famille, mais en réalité, j'ai utilisé la famille. Comme cellule de référence pour étudier la société. Euh, ce qui m'intéresse, c'est plutôt être ensemble. Enfin, qu'est-ce qu -ce que c'est euh, politiquement de se retrouver avec l'altérité et que cette première expérience pour nous, elle est, à la elle est dans la famille. En tant qu'humain, on commence ce, ce, ce travail-là de être avec les autres dans la famille. Donc, j'ai pris une famille pour parler de ça, mais en vrai, pour moi, c'est plus large que juste une famille. Donc, c'est pas juste un dîner familial. J'ai pas envie de me moquer du dîner familial. C'est pas un travail sur ça. C'est plutôt sur comment on se libère. De codes qu'on a reçus, comment au contraire on les assimile et ça nous va, c'est plutôt ça qui m'intéresse. Et par rapport à Plus Belle la Vie, euh, évidemment, comme c'est un rite. Ce D'ailleurs, la pièce au départ avait le mot rite à l'intérieur du titre, et Plus Belle la Vie, c'est un rite social, euh, familial, euh, ça quand même, à l'époque, c'était à 20h, maintenant c'est 20h40, mais c'est à peu près l'heure du dîner. Euh, moi d'où je viens, euh, les gens qui regardent, c'est des familles entières, et c'est super aussi de voir qu'on peut avoir le grand-père et le petit-fils qui, ensemble, regardent la même série. Ça n'intéresse pas aux mêmes choses, mais. Donc, il y a quelque chose qui rassemble les gens euh, dans cette série et qui traite de la société, de l'émancipation des uns et des autres, des difficultés à être les uns avec les autres, qui du coup est un parallèle avec cette histoire de famille dans Hélas. Plein de personnes se figurent que ça pourrait être complètement maintenant. D'autres envisagent le futur, même si ça me semble, euh, ils voient ça comme un futur lointain. D'autres ont l'impression que ça peut être très 80, peut-être à cause de justement l'imagerie. Moi j'aime bien les couleurs un peu un peu passé, les, les, les grains betamax, max, les, les images comme ça avec du grain fort, euh, même dans les costumes. J'essaie de retrouver ça au théâtre et euh, donc ça fait années 80-90 mais euh, je ne sais pas. Il n'y a pas de... C'est assez intemporel.